Hello everyone, this is French with Elise and today we are going to do a listening exercise with some simple sentences. Bonjour à tous, c'est le français avec Elise, French with Elise. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices d'écoute avec de, de simples phrases. Commençons. Introduction. This is a third listening exercise that I'm doing on the channel. The objective is to develop your listening skills, um, being able to recognize the words and make sentences and make sentences make sense. I recommend to write down what you hear or use a flashcard and put the sentence together. I will read each sentence three times and then I will show you the correction. Introduction. Voici le troisième exercice d'écoute que je fais sur la chaîne. L'objectif est le développement de vos compétences en compréhension orale. Je vous recommande d'écouter chaque phrase, puis d'utiliser les cartes d'étude afin de réécrire ce que vous avez entendu ou juste essayer d'écrire par vous-même mais cela est bien plus compliqué. Chaque phrase sera lue trois fois suivie par la correction. Let's go. Commençons. La phrase 1, the first sentence. La maman dessine son mari et sa fille au parc. La maman dessine son mari et sa fille au parc. La maman dessine son mari et sa fille au parc. Phrase 2. Second sentence. Les enfants regardent la télévision après l'école. Les enfants regardent la télévision après l'école. Les enfants regardent la télévision après l'école. Phrase 3, third sentence. Est-ce que le papa Prépare le dîner pour la famille. Est-ce que le papa prépare le dîner pour la famille? Est-ce que le papa prépare le dîner pour la famille? Phrase 4 Fourth sentence. Les grands-parents travaillent à l'hôpital. Les grands-parents travaillent à l'hôpital. Les grands-parents travaillent à l'hôpital. Ma tante voyage souvent. France avec mon oncle. Ma tante voyage souvent en France avec mon oncle. Ma tante voyage souvent en France avec mon oncle. Phrase numéro 6. Six. Uh, sixth sentence. À l'école, les élèves étudient les mathématiques et le sport. À l'école, les élèves étudient les mathématiques et le sport. À l'école, les élèves étudient les mathématiques et le sport la famille de oh, désolé <laughs> phrase numéro 7 seventh sentence la famille de sophie a un chien deux chats et trois poissons la famille de sophie a un chien deux chats et trois poissons. La famille de Sophie a un chien, deux chats et trois poissons. Phrase numéro 8. Eight, eight sentence. Les cousins vont en vacances chez papy et mamie avec leur hamster. Les cousins vont en vacances chez papy et mamie avec leur hamster. Les cousins vont en vacances chez papy et mamie avec leur hamster. Phrase numéro 9. The ninth sentence. Marilyn va à la piscine le lundi après midi marilyn va à la piscine le lundi après midi marilyn va à la piscine le lundi après midi n de la soin. le samedi soir les adultes vont au restaurant le samedi soir, les adultes vont au restaurant. Le samedi soir, les adultes vont au restaurant. Very well. Now, I will repeat the sentence again, but I will show you the sentence in writing. I will only read it twice. Phrase 1. La maman dessine son mari et sa fille au parc. La maman dessine son mari et sa fille au parc. Phrase numéro 2. Les enfants regardent la télévision après l'école. Les enfants regardent la télévision après l'école. Phrase 3. Est-ce que le papa prépare le dîner? Pour sa famille est ce que le papa prépare le dîner pour sa famille 4. les grands-parents travaillent à l'hôpital les grands-parents travaillent à l'hôpital ma tante voyage souvent en france avec mon oncle ma tante voyage souvent en France avec mon oncle. Phrase numéro 6. À l'école, les élèves étudient les mathématiques et le sport. À l'école, les élèves étudient les mathématiques et le sport. Phrase 7. La famille de Sophie a un chien, deux chats et trois poissons. La famille de Sophie a un chien, deux chats et trois poissons. Phrase numéro 8. Les cousins vont en vacances chez Papy et Mamie avec leur hamster. Les cousins vont en vacances chez Papy et Mamie avec leur hamster. Phrase 9. Marilyn va à la piscine. Le lundi après-midi. Marilyn va à la piscine le lundi après-midi. Et la dernière phrase. Le samedi soir, les adultes vont au restaurant. Le samedi soir, les adultes vont au restaurant. Very well. That was the last sentence. So, as always, I recommend you using the flashcards. And you know, try to organize the sentence so that you can visualize the color code and remember the correct order. Uh, we also recommend for you to write it and to try to pronounce it as closely as possible to how I pronounce it. So once you have written the sentences, just practice reading them out loud. All right, thank you very much, and I see you. All